Namasté les amis, aujourd'hui 158e jour de l'aventure réveil à Basantapur, mais je suis déjà sur le chemin du retour en direction d'Ile. Je suis dans le bus, oui messieurs dames, je parle à ma caméra, bien sûr il y a énormément de gens qui me regardent. Ça se dit, mais c'est qui ce mec, c'est un fou. Alors effectivement, retour à Ile. Les 3 jours à Basantapur les amis, c'était vraiment génial, vraiment très très cool, ça m'a beaucoup plu. Pas hier mais avant-hier bien sûr, le panorama c'était grandiose. Mais même le premier jour là, quand il a plu, où c'était couvert, il y avait vraiment une ambiance particulière là dans ce village, vraiment très très chouette. Je vous conseille, si vous aventurez vers l'est du Népal, d'aller faire un petit tour du côté de Basantapur. Et puis Ile, bien sûr, je l'ai pas dit, mais bien sûr je vous conseille d'aller faire un petit tour à Ile. Pour l'instant le bus vient de s'arrêter, on fait une petite pause je crois toilette. Bon, en fait moi je suis monté dans le bus il y a seulement un quart d'heure, hein. On vient juste de partir de Basantapur, mais peut-être que le bus vient de bien plus loin, même probablement. Donc voilà, c'est parti, direction Ile. Ça y est, je suis de retour à Ile, les amis, j'ai envie de dire retour à la maison. Depuis que je suis descendu du bus, là, j'ai croisé pas mal de personnes qui m'ont dit « Ah, ça y est, t'es de retour, t'étais où ?» J'étais à Basantapur. C'était bien, ça t'a plu, est-ce que t'as vu de la neige et tout? Vraiment, les gens sont tellement adorables ici. Donc, retour ici à Ile, je suis allé au Goomba Hotel, bien sûr. La même chambre était disponible, c'est parfait. J'ai déposé mes affaires et je suis bien sûr passé dans mon quartier général. Ça tombe bien, aujourd'hui, ma petite famille, ils avaient cuisiné des pommes de terre. Je me suis pris une assiette de pommes de terre délicieuse avec un calochia, bien sûr. Et puis, je me suis pris un petit sachet de kaju. J'en ai pris plusieurs fois, hein. Je crois que je vous les ai déjà filmés. C'est un genre de petit gâteau apéro, je sais pas avec quoi c'est fait exactement. Mais c'est très très bon, c'est très épicé, j'adore ça. Et puis maintenant, je suis au Makalu. C'est quoi? Corner, vous savez, où je suis venu manger des momos il y a déjà quelques jours. Petite assiette de momos au poulet, délicieuse, avec un petit coca pour faire couler tout ça, c'est juste parfait. Pour le reste de l'après-midi, je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer. Ile, hein, on a quasiment fait le tour, on va dire. Moi, je me lasse pas d'être ici, mais en vidéo, je pense que ça va finir par se répéter. Pourtant, j'ai encore envie de rester aujourd'hui, demain, peut-être après-demain encore, j'ai encore envie de rester 2-3 jours ici. Je sais pas si je vais filmer demain, après-demain, parce que voilà, ça va finir par se répéter. Vous avez fait le tour du village, commencez maintenant à le connaître, le village d'Ile. Bon, je vais réfléchir à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que cet après-midi, je reste ici, à Ile.
Je suis de retour dans ma petite chambre au Goomba Hotel. Alors c'est pas du tout la chambre de Bazantapur, mais franchement cette petite chambre, je l'aime bien. Elle est douillette. Vous savez, à Bazantapur, la chambre, c'est vrai, était très confortable, c'était très bien, mais c'était gelé la nuit, c'était glacial. Le matin, quand je me réveillais, je dors allongé comme tout le monde. Quand j'ouvrais les yeux, si j'avais le malheur de bouger une jambe sur la droite ou sur la gauche, le lit, il était mais glacial. Ici, avec les deux couettes, j'arrive quand même à me réchauffer. Ça, c'est plutôt confortable. Il y a un de mes abonnés qui m'a posé la question à propos du chauffage. Mais au Népal, il n'y a pas de chauffage. À Katmandou, il y a quelques hôtels, bien sûr, qui ont des clims inversés, enfin qui font chauffage. Mais en fait, le chauffage, ils connaissent pas ici au Népal. Donc non, quand on a froid, on prend des couvertures pour se coucher et puis c'est tout. Alors aujourd'hui, les amis, je vous ai pas proposé grand-chose. Franchement, j'étais feignant, mais toute la journée, j'ai rien foutu. Alors j'ai passé 3 heures là dans le tea shop à côté du carrefour où il y a la tongba, à tchatcher avec des Népalais, à simplement regarder, c'était cool. Pas fait beaucoup d'images. Il y a un gars qui est passé avec un cochon, je l'ai filmé. J'ai fait 2-3 plans comme ça, mais très rapide. Et puis je suis revenu ici, j'ai fait une sieste, j'ai terminé le montage de la journée d'hier. Et puis j'ai fait à nouveau une balade en fin d'après-midi, mais rien de. Voilà, je suis pas allé très très loin non plus. Et j'ai pris ma décision, je vais rester encore 2 jours, 2 jours entiers à Ilé, donc demain et après-demain. Mais demain, je ne vous fais pas de vidéo. Ilé, vous connaissez déjà tout, je vous ai filmé la rue principale en long, en large, les petites ruelles à côté. Moi, après, ça me dérange pas de filmer, j'adore faire des cadrages et tout. Mais voilà, j'ai pas envie de vous lasser avec encore une journée, une nouvelle journée à Ilé. Donc demain, je ne filme pas. Après-demain, si je fais une balade, je filmerai. Il faut encore que je réfléchisse à ça. Bon, vous l'avez remarqué, il me faut du temps pour réfléchir. Surtout qu'en fait, je prends pas trop le temps de réfléchir. Je me décide le matin quand je me réveille. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous, pas demain, après-demain, ou peut-être dans 3 jours. Voilà, ciao, good night.